Aujourd'hui, journalistes nationaux, ils ont tous passé par la 106.0 pour créer le FM du commissaire, je pourrais dire l'inspecteur des arbitres, qui a très bien fait un bon travail pendant ces phases départementales. Il s'agit de Osmanon. Vous allez prévoir l'hymne national avant le coup d'envoi. Que Dieu fait des prières à l'endroit. Quand même, l'honneur à la presse. Ils sont très ravis, très contents que ce jeune journaliste, Axel Nayel, qui donne à Mini Badji, Vidjeme, à Younous Baro. Attention! C'est Monsieur Younous Baro, journaliste correspondant de la RTS à Goudon. Sentiment de joie et de fierté. Aujourd'hui, la zone de Goudon peut en choisissant comme parrain de la première édition du tournoi dénommé les meilleurs de chaque poule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la jeunesse qui est honorée, mais au-delà aussi, une communauté, la presse, dont je suis membre intégral. Aujourd'hui, les mots me manquent pour au moins exprimer la joie qui m'anime. Je voudrais donc remercier la journée à travers son président Jean-Daniel Sagna pour ce choix porté sur ma modeste personne. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est d'être très courageux et d'être très patient. Dans la vie, quand tu n'as pas trop de patience, des fois tu vas arriver difficilement. On le dit, rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Donc que la jeunesse aujourd'hui se forme, que la jeunesse arrête un tout petit peu aujourd'hui, vous allez m'excuser du terme, trop de jotaï. Aujourd'hui, on est dans un monde de vitesse. C'est seuls les maires qui arrivent. Aujourd'hui, que les jeunes se mettent au travail. Que les jeunes se mettent au travail, qu'ils cravachent bien dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'on le dit, il n'y a pas de chaud métier. Aujourd'hui, que toi, tu es mécanicien, il faut mettre la volonté, il faut mettre le courage et de la patience. Je sais que demain, tu vas arriver. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est parti de rien. Lorsqu'on embrassait ce métier de journaliste-là, à Goudon même, on avait même des problèmes pour couvrir des activités. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde a compris que c'est la volonté, c'est l'abnégation qui peut faire arriver à quelqu'un. Donc nous, on a cru à ça, on est parti et Dieu merci. Aujourd'hui, on est là. C'est sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, Dieu merci. À travers cette plateforme communicationnelle, vous avez vu aujourd'hui l'image de Goudon est complètement rehaussée. Donc nous, on va continuer le travail, comme je l'ai dit, pour au moins montrer aux gens que nous, ce métier-là, on l'a choisi et on est dedans et on va tout faire pour au moins réussir et apporter notre pierre à l'édifice qui est vraiment le développement de Goudon. Ce Goudon aujourd'hui nous a tout donné. Donc dans notre secteur d'activité, là où tout un chacun est, il faut tout faire pour au moins booster le développement de ta localité. Avant de finir, j'aimerais rendre hommage et remercier quelques personnalités. Je veux citer là M. Olivier Boucal, président de Goudon Debout, inspecteur du Trésor, M. Souleymane Ndiaye, DG de la SACPO SA, M. Sekou Ndiaye, le maire de Kaour, également M. Calbert Mané, maire de la commune de Simbandi Balante, et toute la presse, tous mes amis qui ont effectué aujourd'hui le déplacement,
Ces gens m'ont beaucoup soutenu. Si aujourd'hui, cette activité a eu cette ampleur, c'est grâce à ces gens-là. Donc je les remercie du fond du cœur. Là où je vais terminer, c'est d'appeler les gens à l'unité. Aujourd'hui, je pense que si le football a pu nous réunir, je pense que les autres secteurs d'activité également, on peut le faire. Donc aujourd'hui, c'est seule l'unité qui pourra nous permettre de développer notre contrée. Par le passé, on a connu le département à traverser une crise que tout le monde sait, c'est la crise casamanceuse. Et cette crise-là a fait que beaucoup de villages se sont déplacés, beaucoup de populations se sont déplacées. Donc aujourd'hui, Dieu merci, on est en train de vivre une paix. Que les gens se mettent à l'unité, que les gens unissent leurs efforts pour au moins booster le développement de Goudom.